Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 4 février, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer et à cette occasion l'Institut Curie, qui est un acteur de référence dans la lutte contre le cancer, a décidé d'axer cette édition 2019 sur le thème de l'intelligence artificielle et les data dans la lutte contre le cancer. Une révolution numérique qui a été amorcée par la remise du rapport Villani au gouvernement, suivie de près par la visite du président de la République à l'Institut Curie, c'était en mars 2018. Cette révolution numérique est appelé à transformer en profondeur les pratiques en santé, mais de quelle manière exactement? Comment le traitement des données peut-il aider à mieux prédire, mieux prendre en charge ou encore mieux guérir les patients? Et bien, afin de mieux faire face à cet avènement et de mieux gérer la transformation numérique, une direction des data a été créée en 2017 au sein de l'Institut Curie, une création qui a été rendue possible par la générosité des donateurs. Et à la tête de cette direction des data, c'est Chaussée Fernandez qui est avec nous aujourd'hui pour répondre à vos questions, aux questions des internautes pendant tout toute la durée de ce Facebook Live. Alors n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, nous les traiterons en direct. Bonjour, Chaussée Fernandez. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on va commencer par une question générale de définition pour que tout le monde sache de quoi on parle. C'est quoi l'intelligence artificielle? C'est quoi le big data? Oui, on doit commencer avec la définition. Bien sûr, l'intelligence artificielle, on parle des modèles mathématiques, mais c'est des modèles mathématiques qu'on utilise aujourd'hui dans le quotidien, avec les recommandations de Netflix ou quand on est en train d'utiliser Facebook, on trouve qu'il y a des moteurs ou des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont en train de nous informer dans les contextes qui nous occupent, dans les contextes de la cancérologie. Ce qu'on a, c'est des collections très hétérogènes, très diverses de données, et on utilise des règles abstraites pour les interpréter. Ça, c'est que on peut dire que c'est l'intelligence artificielle, c'est le modèle mathématique qui nous permet d'analyser une diversité de données, des images, du texte, des comptes rendus médicaux. C'est ça, c'est utile. Et quand on parle de l'intelligence artificielle, on a deux propriétés à souligner. D'un côté, c'est l'auto-apprentissage. Alors, on n'a pas besoin de coder, d'écrire toutes les règles dans le logiciel de telle façon qu'il peut interpréter les data. Le système apprend d'une façon répétitive. Il apprend au fur et à mesure du traitement des data. Exactement. Et aussi, il s'agit des systèmes très flexibles, très adaptables. Le mégadonnées, le big data, il s'agit... J'écoutais quelquefois la définition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mettre dans un fichier Excel. On peut avoir une définition un peu plus sérieuse. Quand on a ces collections de data assez volumineuses, on peut parler... Alors rappelons que data, ça veut dire... Enfin, c'est l'anglais pour données. Oui, les données qu'on a, dans un hôpital ou un centre de recherche tel que l'Institut Curie, on a pétapté des données. On a des images, on a des radiologies, on a des IRM. Chaque fois qu'une biopsie est analysée, on prend une petite photo de la biopsie, de la lame. On a des pétaptés, on a 4 pétaptés de données à l'Institut Curie qu'on est en train d'analyser pour nous aider à mieux traiter nos patients. Ça, c'est le big data. Ces vastes collections de données, dans ces cas-là, ce sont des données très diverses, mais c'est une grande quantité de données qu'on ne peut pas analyser seulement avec les approches traditionnelles. Et qui prendra sens grâce à l'intelligence artificielle. Exactement. Alors, on va passer au sujet du cancer et de l'intelligence artificielle avec une question de Geneviève, qui nous dit « J'ai un cancer, en quoi est-ce que l'intelligence artificielle peut m'aider ?» Ok. Aujourd'hui, à l'Institut Curie, on n'utilise pas l'intelligence artificielle pour le traitement de nos patients. Mais on est en train de faire la recherche de telle façon qu'on sera en capacité, on espère d'être en capacité de le faire à l'avenir. On a des expériences d'analyse d'images, par exemple quand on peut analyser des images de mammographie. Si on a des collections, de grandes collections de mammographies, on peut utiliser ce qu'on appelle, une nouvelle fois un mot anglais, deep learning ou l'apprentissage profond. Apprentissage profond, oui. Pour analyser et extraire des signaux dans ces images que peut-être on ne peut pas détecter avec l'œil nu. Alors, dans ces cas, les logiciels, ces approches d'intelligence artificielle, sont en train de nous aider à augmenter la capacité de nos médecins. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. On peut faire des choses similaires avec l'analyse de lames microscopiques dans le contexte de la pathologie. Mm-hmm. Comme je disais, chaque biopsie est analysée au microscope. On peut prendre une photo, numériser de cette photo,
peut l'analyser avec des algorithmes. Et on trouve que on a des approches, on a la montre Apple, l'Apple Watch, qui aujourd'hui aux États-Unis a été validée pour la monitorisation du cœur. Et de toute façon que, apparemment, ils peuvent prédire le risque de fibrillation. Bien sûr qu'on trouvera pas mal de faux positifs, alors des cas où l'on trouve une alarme et on doit valider avec un médecin, on trouvera que non, il n'y a pas un risque de fibrillation, c'est quelque chose d'autre. Mais quand même, on voit que ça progresse pas seulement dans la cancérologie, mais dans des autres domaines. Alors, une question de Julie qui nous demande en quoi les data et l'intelligence artificielle peuvent particulièrement aider les patients atteints de cancer par opposition à des patients atteints d'autres pathologies. Oh, oui, c'est une très bonne question. Je parlais par exemple de la fibrillation dans les contextes de l'Apple Watch. On a des cas, c'était des cas publiés dans la littérature scientifique, on a trouvé une approche d'analyse d'image pour diagnostiquer dans les contextes de la diabète, un problème de l'œil. On peut analyser les images avec une photo d'un portable, d'un téléphone portable, et alimenter un algorithme qui peut prédire s'il y a un risque de maladie. On a des cas où on peut faire aussi de l'analyse d'images dans les cas où on avait des accidents vasculaires. On peut analyser les images, les IRM du cerveau et prédire s'il y a des problèmes dans une partie du cerveau. Alors, c'est ça où on peut trouver qu'on peut aller au-delà de la cancérologie, mais quand même, quand on parle de la cancérologie, on parle d'une maladie chronique. De telle façon que ça veut dire qu'on a les patients visitent l'hôpital d'une façon régulière et ça signifie qu'on est en train de capturer, d'acquérir plein de données parce que chaque fois que les patients arrivent, on a un compte rendu, on aura des IRM, on aura des biopsies et toutes ces données nous aident à informer. C'est dans ces cas-là, la cancérologie, c'est un peu spécial comparé avec les autres maladies. D'accord. Jean-Marie, comment l'intelligence artificielle peut-elle aider pour lutter contre les modifications génétiques ? Existe-t-il des essais concluants sur le sujet ? Je ne suis pas sûr que je vois la connexion entre les modifications génétiques et l'IA. C'est clair qu'avec des approches, avec l'intelligence artificielle, on peut mieux stratifier. Stratifier, c'est déterminer quel profil des patients va répondre à une thérapie spécifique ou non. Ça, c'est la stratification des patients. C'est clair qu'il y aura, et on a, dans 5% du cancer, on a une cause héréditaire, une cause génétique héréditaire, une mutation qu'on a héritée. Et dans ces cas-là, on pourra trouver la corrélation entre une mutation dans les gènes BRCA1 et un cancer du sein. Mais c'est pas nécessairement, on n'a pas toujours une connexion entre modification génétique en large, je sais pas, une définition ouverte, oui. Et les applications de l'IA. Alors une question de Carole à présent. Dans le cas du traitement par immunothérapie, qui est un traitement dont les effets peuvent varier d'un patient à l'autre, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut aider à prédire les effets d'un patient à l'autre? C'est clair, oui. Le traitement d'immunothérapie, il y a des patients qui répondent d'une façon très différente. Aujourd'hui, on parle d'une thérapie assez nouvelle. Alors, on n'a pas assez de cas. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas commencé encore à analyser avec l'IA, parce que pour ces approches d'intelligence artificielle, on a besoin d'une volumétrie assez large. Mais quand même, on a un centre d'immunothérapie à l'Institut Curie et c'est clair qu'on peut voir qu'il y a quelque chose, qu'il y a un signal, mais on ne peut pas lancer encore des approches. Il y a, chez nous, Curie, parce qu'on n'a pas encore des cas. Mais on est en train d'acquérir plus de cas et on sera capable de les faire à la longue. Oui, on est au début de quelque chose. Patrice, qui nous dit qu'il a bien compris les enjeux de l'intelligence artificielle dans le traitement des cancers. En revanche, il s'interroge sur en quoi cela peut aider à affiner les performances de dépistage du cancer. Ok. Quand on fait du dépistage, par exemple, si on parle du cancer du sein, en France, on fait des millions de mammographies. Alors, on a des volumétries assez vastes.
cette approche de l'intelligence artificielle peut nous aider ou peut aider le médecin ou qui sont en charge du dépistage, peut aider à mieux classifier les mammographies et réduire le nombre de fausses positives ou fausses négatives. Ça veut dire réduire le nombre de cas où on doit faire une biopsie parce qu'on pense qu'il y a un nodule, il y a quelque chose dans ces mammographies qui pourrait être un risque de cancer du sein, ou le contraire, des cas que le système ne détecte rien, mais l'œil humain ne détecte rien, mais avec la sensibilité de cette approche automatique, de ces algorithmes, on pourrait voir qu'il y a quelque chose et ça vaudrait la peine d'inviter ces femmes pour faire une nouvelle mammographie oui. ou une biopsie. Dans des autres cancers où on fait du dépistage en routine, par exemple le cancer colorectal, la même chose, on a déjà des démarches, en particulier aux États-Unis, où on utilise des systèmes pour analyser les images de telle façon qu'ils peuvent prédire dans une colonoscopie s'il y a un polype suspect d'être l'origine d'un cancer. Mm-hmm. Alors, le dépistage, c'est quelque chose qui s'est fait avant d'arriver à Curie, mais on est en train de récupérer des images de telle façon qu'on peut utiliser ces outils. D'accord. Et enfin, Jennifer qui s'interroge sur plutôt du côté du traitement. Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait aider à rendre les traitements contre le cancer moins toxiques pour les patients? Ok. Oui, toxicité, c'est souvent quelque chose qu'on associe au traitement, la chimiothérapie ou la radiothérapie. Avec les approches d'intelligence artificielle, comme je parle de stratifier, on pourra réduire, si on peut cibler mieux les traitements pour des cas spécifiques du cancer, on pourra mieux développer les traitements de telle façon qu'on peut réduire les effets oui. du traitement. Mais quelquefois, dans le cancer, le choix, c'est entre toxicité ou vivre. Alors, ce n'est pas que l'intelligence artificielle va tout solutionner, mais avec, en particulier quand il s'agit de la phase terminale, une phase terminale de la maladie, quelquefois, c'est très difficile du point de vue de la recherche. Mais cette amélioration dans les contextes de la stratification, trouver, par exemple, on a un projet, Curie, on a un projet dans le contexte de financement européen avec IBM, où on est en train d'analyser des mammographies pour voir si on peut déterminer en amont si le patient va répondre à une chimiothérapie ou non. Dans le contexte de thérapie néoadjuvante, on a un traitement de chimiothérapie pour réduire la taille de la tumeur avant de faire une opération chirurgicale pour extraire la tumeur. Mais on sait que 30% des femmes ne répondent pas à la chimiothérapie. Si on peut détecter avec l'analyse de mammographie qui va répondre à une chimiothérapie ou non, on peut éliminer ces 30% des femmes qui ne vont pas répondre à une chimiothérapie, n'auront pas besoin de suivre ce traitement. Alors, cette sorte d'approche, on est en train de développer de nouvelles façons de mieux cibler le traitement. Très bien. Alors, avant de revenir sur ce qui se passe justement en termes de recherche et d'essais à l'Institut Curie, on va ouvrir un chapitre de questions autour d'une question qui a beaucoup intéressé et inquiété les internautes, à savoir celle de l'usage des données et de la confiance qu'on peut avoir dans la collection des données. On commence par une question de Jean qui vous demande: par quel biais collectez-vous les données des patients à l'Institut Curie? Quel type de données traitez-vous exactement? Est-ce que c'est des radios, des analyses biologiques? La réponse ici est une réponse double. D'un côté, pour assurer la prise en charge de nos patients, on a besoin de capturer, on a besoin de constituer un dossier médical de telle façon que le médecin traitant ait accès aux informations de ses patients et l'équipe traitante, parce que ce n'est pas seulement les médecins, il y a des infirmières, l'équipe traitante, ils ont accès à ces données. Dans ces sortes de dossiers, on trouve le compte-rendu médical du passé. Et on trouve aussi les images, les IRM, les mammographies. Et ça, c'est tout. Vient décrit et vient carré dans les approches qu'on a dans les hôpitaux. Dans le cadre de la recherche, on a besoin d'analyser quelques données, mais dans la
dans les cas de la recherche, les données sont anonymisées. Alors, on n'a pas besoin d'avoir, le médecin traitant aura besoin d'avoir des informations personnelles du patient. Mais dans les cas de la recherche, on n'a pas besoin. Alors, les données dans les cas de la recherche sont anonymisées. Mais on a aussi le consentement de nos patients. Eux, il y a une législation qui est là pour nous protéger tout le monde. Et bien sûr que ça, c'est quelque chose qu'on a. On a la loi informatique et liberté, on a le règlement européen RPDG pour la protection des données, et on a les codes de santé publique. Et tout ça est là pour nous protéger et contrôler quel est l'accès aux données. Mais bien sûr que pour avancer, on a besoin d'accès des données, mais c'est toujours contrôlé. D'accord, donc ça rejoint la question de Véronique qui demandait s'il fallait donner son consentement pour que ces données soient utilisées pour la recherche. Quand on vient à l'Institut Curie, est-ce qu'on signe un papier? Est-ce qu'on... Tout le monde, quand un patient arrive à Curie, ils sont présentés avec les livrets d'accueil où on a des informations, on les informe, on a un consentement informé, alors on a le choix de dire oui, non. Je ne veux pas que mes données soient utilisées pour essayer de guérir des autres, on peut le faire, on peut dire non. Mais la majorité de nos patients répondent de façon affirmative. Et comme je disais, le RPDG nous demande d'informer nos patients quand on est en train d'utiliser leurs données. Alors ça, c'est un peu plus au-delà de seulement dire oui, on est informé, on sait exactement à quoi est-ce qu'on va utiliser les données, mais quand on les utilise, on va les informer. D'accord, et je reviens à la question précédente, celle de Jean, quel type de données sont collectées et traitées ici à l'Institut Curie? On a une diversité de données, on a du texte, je parle de compte rendu, alors on a les dossiers médicaux, c'est plutôt du texte, on a des données, des images, je parlais de lames de pathologie qu'aujourd'hui on est en train de numériser de façon qu'on peut les stocker dans les ordinateurs au lieu de les avoir dans un coffre-fort. Oui, c'est quelque chose de froid. Oui, un réfrigérateur. On a des IRM aussi numérisés, parce que ça, c'est quelque chose assez unique. Alors, l'Institut Curie a commencé sa démarche de numérisation l'an 2000. On a commencé à numériser tous les dossiers médicaux. L'an 2004, l'hôpital est devenu un hôpital sans papier. Les IRM, les clichés sont aussi numérisés et on est aujourd'hui en train de numériser aussi la pathologie. Alors, on a les images, on a les textes, mais on a aussi des informations génétiques. Aujourd'hui, quand on est en train de traiter les cancers, on est en train de faire un portrait moléculaire du cancer et c'est pour ça qu'on a besoin de faire des séquençages du gène ou des régions spécifiques du génome pour trouver quelle est la mutation spécifique d'un gène, pour trouver quel est le traitement le plus optimal. Alors, on a aussi des données génétiques. Et en large, c'est tout ce qu'on peut utiliser pour avancer la recherche. D'accord. Alors, une question un petit peu différente, un petit peu plus générale, posée par Pierre. À quel point peut-on faire confiance à un algorithme en médecine, sous-entendu? On a toujours un médecin pour prendre la décision. Alors, c'est pas que on est en train, on ne parle de, si on ne parle pas de la voiture autonome, ce matin je lisais que même des experts ne croient pas que la voiture autonome sera une réalité complètement autonome. On ne parle pas de la voiture autonome, on a toujours un médecin qui pilote. Mais on pourrait poser la question quand on est dans un avion, quelquefois, et pas piloté par le pilote, c'est un algorithme qui le pilote. Et ça marche. Mais dans ces contextes-là, on parle de développer des outils pour aider nos praticiens et pour augmenter leur capacité. On ne parle pas de substituer le médecin dans aucun cas. Même à plus long terme? Ça, ce n'est pas ce qu'on anticipe aujourd'hui. L'idée, c'est de, si on développe des outils, on peut optimiser la façon de travailler, mais l'idée, ce n'est pas de substituer. Mais je parle d'ici à 50 ans, je ne sais pas s'il y aura des métiers qui n'existent pas aujourd'hui, mais dans notre stratégie aujourd'hui, c'est d'accompagner nos médecins, développer les outils. On travaille avec les équipes, et ça c'est la démarche qu'on est aujourd'hui. Alors, une question posée par Marilyn. Je suis patiente à l'Institut Curie. On m'a parlé de MyCurie. Je ne sais pas ce que c'est. Pouvez-vous m'expliquer? Ok, MyCurie, c'est un appli qu'on a à l'Institut Curie. C'est le carnet du patient. Et a été développé pour ouvrir un nouveau canal de communication avec nos patients. Là,
le patient peut trouver des informations autour de leur parcours de soins. Ils ont accès à leur compte rendu de leur médecin. Ils ont aussi des informations spécifiques sur leur traitement. Et là, ils peuvent trouver aussi des informations à propos de ces effets secondaires du traitement. Et on a développé déjà aussi des questionnaires, de telle façon que on peut poser des questions autour du parcours du patient, du parcours de soins, qui permet à nos patients d'échanger avec les équipes traitantes. Au-delà de l'application pour le portable, on a aussi un site web, une page web. Et là, le patient, pour avoir accès à cet outil, ils n'ont que, dans le prochain rendez-vous, ils peuvent demander l'accès, ils ont accès, ils peuvent installer l'appli dans leur téléphone ou ils peuvent avoir accès au site web et découvrir qu'est-ce que cette carnet lui permet de faire. D'accord, l'application s'appelle MyCurie. Alexandra, existe-t-il des essais en cours utilisant l'intelligence artificielle pour les patients atteints d'un cancer? Si oui, comment y participer? Alexandra qui aimerait bien aider tout simplement. On n'a pas, aujourd'hui à Curie, on n'a pas des essais. Les essais cliniques sont très bien structurés en France, en Europe. Et aujourd'hui, on n'a pas des essais cliniques autour de l'IA. Ça, c'est quelque chose qui devrait être validé avec la HAS, la Haute Autorité de Santé. Et ils sont en train de voir comment est-ce qu'ils pourraient valider les approches IA, parce que quand on parle d'un modèle IA, c'est un modèle dynamique. Et le concept des essais cliniques, c'est quelque chose fermé. On a un nouveau traitement, un nouveau médicament, on est en train de voir comment est-ce que ça marche. Et on évalue ce qu'on a. Mm-hmm. Si la cible bouge, c'est plus compliqué. Alors, même dans les démarches de la HAS, ils sont en train de voir comment est-ce qu'on pourrait valider un algorithme pour les soins. Alors aujourd'hui, on n'a pas de projet à curer dans ce contexte-là. Mais dans le contexte de la recherche, on est en train d'utiliser ces approches d'analyse d'images, d'analyse du texte, d'analyse génomique, pour nous aider à voir quels seraient les outils qu'on peut développer pour aider nos médecins, mais pas dans le contexte des essais cliniques. D'accord, très bien. C'est la recherche pure. Lucien qui s'interroge, y a-t-il des cancers qui se prêtent mieux que d'autres au traitement par l'intelligence artificielle et qui seraient donc prioritaires dans la liste des essais en cours? Vous venez de nous dire qu'il n'y avait pas d'essais cliniques. Alors on en a déjà un petit peu parlé des cancers qui se prêtaient mieux que d'autres. Peut-être qu'on peut revenir plus clairement dessus. C'est plutôt quand on parle des modèles mathématiques, c'est plutôt les nombres des cancers qu'on a, le nombre des cas qu'on a. Alors c'est plutôt de dire qu'il y a des cancers qui sont plus faciles à traiter avec l'IA. Non, c'est plutôt, si on a assez de cas, on peut développer les outils pour mieux analyser avec ces outils. Mais c'est parce qu'on parle de modèles mathématiques, et alors on pourrait dire que c'est les cancers les plus communs, ceux qu'on peut anticiper, on peut lancer des projets dans ce contexte de l'IA. Donc comme vous l'expliquiez tout à l'heure, cancer du sein, puisqu'on a déjà beaucoup de mammographies. Exactement, oui. Et à Curie, c'est le plus grand centre de cancer du sein d'Europe. Alors, on a pas mal de projets dans le contexte de la sinologie. Dorothée qui nous demande, l'intelligence artificielle représente-t-elle un coût pour les patients? Non, on pourrait dire le contraire. Comme je disais, on n'utilise pas l'IA en routine, mais si on serait capable d'optimiser les temps de médecins avec des outils IA, on serait capable de les aider à mieux analyser les images, réduire le nombre d'erreurs, réduire le nombre de cas où on avait des doutes et on doit refaire l'analyse ou faire une biopsie. Tout ça, à la fin, serait à réduire les coûts. Mais, comme j'ai dit, on ne l'utilise pas en routine aujourd'hui. Mais, par exemple, quand on peut anticiper, quand on a un IRM pour déterminer la taille ou la forme de la tumeur avant d'avoir une session de radiothérapie, parce qu'on cible vraiment le rayonnement, le traitement de radiothérapie est vraiment ciblé à la forme de la tumeur, on a des outils qui permettent les radiologues à créer un modèle en trois dimensions de cette tumeur. On peut le faire d'une façon automatique et le valider à l'humain.
ça accélère un projet, que c'est un projet assez laborieux et lent, mais si on peut l'accélérer avec ces outils, on est en train d'optimiser les temps du radiologue qui peut faire des autres tâches moins lourdes et plus proches du patient. D'accord. Anne-Marie qui vous demande si vous pouvez nous citer un cas concret d'une avancée majeure pour le patient réalisée grâce à l'intelligence artificielle. Comme j'évoquais il y a quelques minutes le projet avec IBM, IBM Research Haifa à Israël, c'est l'équipe où on est en train d'analyser des images historiques. Alors, ce n'est pas pour des patients aujourd'hui, on commence avec l'historique pour valider un outil et après on pourrait anticiper de l'utiliser en routine. Mais quand on fait un projet de recherche, on commence avec l'historique. Et si on est dans ces démarches, si on peut déterminer qui va répondre à une chimiothérapie dans une théorie, dans un traitement néoadjuvant ou non, ça c'est un exemple très clair et très, très visuel. On sait aujourd'hui que 30% des femmes ne répondent pas à la chimiothérapie et on le sait après avoir eu 3 mois, 6 mois de chimiothérapie. Si on peut le prédire et on peut le déterminer en amont, on trouvera des autres façons de les traiter au lieu d'aller vers la chimiothérapie. Ça c'est un exemple. Peter qui demande concernant l'intelligence artificielle dans la lutte contre les cancers, avez-vous une connaissance de ce qui se fait déjà à l'étranger, qui fonctionne bien et qui pourrait potentiellement être réalisé bientôt en France? Là, on a d'un côté, on doit avoir en tête que la France est assez performante du point de vue de mathématiques. Quand je parle de l'IA, l'IA c'est plutôt les mathématiques. Mm-hmm. Alors c'est pas seulement penser, comme on dit en France, les GAFAM. Il y a pas mal de start-up et de sociétés qui ont été créées autour de cette approche mathématique appliquée. Et on a pas mal de projets en France, mais bien sûr qu'on est, on est au courant de ce qu'on fait dans le monde. On vient de récupérer un projet qui est coordonné par Curie, par le professeur Christophe Letourneau. Mon département travaille aussi dans ce projet-là. C'est un projet ERAPERMED. Et c'est un projet où l'on a un essai clinique, mais en même temps, on a de l'analyse des données. C'est une équipe avec, c'est pas seulement la France, on a des collègues, des groupes, des équipes en Allemagne, le Luxembourg, l'Hongrie, l'Italie. D'accord. Alors, ça, c'est un exemple au-delà de la France. Et bien sûr, on peut lire tous les jours des nouveaux papiers qui sont publiés aux États-Unis et ailleurs. Bien sûr, on fait un suivi de ce qui se passe. Mais quelquefois, on ne doit pas faire attention seulement à ce qu'on écoute, en particulier dans les social media. Mm-hmm. Avec les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Parce que la semaine dernière, par exemple, on avait l'annonce d'une société à Israël qui parlait de guérir les cancers comme si c'était une vaccine. Ça, c'est une promesse. Ils n'ont rien publié. C'est seulement une conversation avec le PDG de la société. On doit faire attention, pas créer de fausses expectatives. On a des projets, on suit qu'est-ce qui se passe en réalité. Il y a des projets et des approches publiées à la littérature scientifique. On fait le suivi, on participe dans des consortiums internationaux et on travaille avec nos collègues américains. Il y a 2 semaines, j'étais à Londres avec collègues britanniques. On partage, on est dans les mêmes sortes de projets. On n'est pas isolé en France. Alors justement, continuons à nous projeter un petit peu vers le futur. On a eu beaucoup de questions concernant le devenir de l'intelligence artificielle en médecine et en cancérologie. Mathilde qui nous demandait, l'intelligence artificielle remplacera-t-elle un jour les médecins? Vous avez déjà répondu par la négative a priori. Patrice, lui, vous demande, comment voyez-vous les progrès de l'intelligence artificielle dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on peut espérer? C'est compliqué de voir, je n'ai pas une boule pour voir l'avenir. Mais ce qu'on voit, c'est que il y a des approches qu'on est en train d'explorer aujourd'hui. Et ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans la recherche, on peut projeter que sera la réalité dans 10 ans. Alors, on pourrait voir que quelques projets qu'on est en train de lancer aujourd'hui seront routines à l'avenir. Et là, ce qu'on a, c'est une analyse des images plus performantes,
des outils qui vont aider les radiologues, les pathologistes à mieux analyser les images, mais pas les substituer. On a aussi des approches en chirurgie, par exemple, on a aussi des outils qui peuvent aider. Le chirurgien peut être connecté et quand ils sont en train d'opérer un patient, ils peuvent avoir des informations additionnelles, pas seulement visuelles, mais aussi s'ils ont un doute, contacter un collègue qui peut voir en temps réel où est-ce qu'on doit couper. Alors, on est en train d'augmenter les médecins. Alors, je dirais que d'ici à 10 ans, on voit que la biologie est de plus en plus moléculaire et la médecine est de plus en plus numérique. On est en train de converger et on est en train de développer les outils pour augmenter les médecins de l'avenir. D'accord. Alors Anne et Catherine qui posent des questions assez similaires, qui rejoignent encore cette idée de l'intelligence artificielle va-t-elle remplacer le médecin. Anne qui nous dit qu'elle a lu qu'une équipe de chercheurs a conçu un algorithme pour dépister le cancer de la peau avec des performances qui dépassent celles de dermatologues. Catherine, elle, a entendu parler d'un logiciel de Google qui détecterait mieux les cancers du sein que l'humain. Elles se demandent toutes les deux, est-ce que c'est réaliste? On rappelle une nouvelle fois que c'est un outil à disposition des praticiens. Ok, dans le cancer de la peau, on a eu, ça c'est un des premiers cancers qui a été exploré du point de vue de l'analyse des images. Et on doit faire attention parce que quelquefois, on a eu au passé des grandes annonces qui disaient, bon, il y a des algos qui peuvent prédire mieux que le dermatologue. On doit tenir en compte que si on parle de déserts médicaux en France, aux États-Unis, il y a un manque de dermatologues. Alors, c'est pour ça qu'il y a pas mal de projets aux États-Unis qui sont en train de lancer pour substituer les dermatologues parce qu'ils ne sont pas assez dans les pays et le cancer de la peau monte. Mm-hmm. Alors, c'est que dans le contexte de cet algorithme, on a eu dans le passé des annonces qui disaient bon, l'algorithme peut mieux prédire un grain de beauté s'il est maligne ou non. Et quand on a analysé quelle était l'approche de l'algorithme, on a vu, dans un cas, c'est anecdotique, mais il y a eu un cas où on voyait que les images de grande beauté où le dermatologue avait un doute si c'était quelque chose à analyser, et pour prendre la photo, il mettait une petite règle dans la photo. Et si c'était, s'agissait d'un grande beauté simplement, on ne mettait pas de photo. Alors, on a vu que dans ces cas-là, l'algorithme a appris à détecter s'il y avait une petite règle dans la photo ou non. Alors, ce n'est pas que l'algorithme était mieux que le dermatologue. Dans ces cas-là, l'algo était en train de confirmer la suspicion de dermatologue. Après ça, on a évolué et on a vraiment des approches qui peuvent détecter, parce qu'on a des millions d'images, et alors avec assez d'images, on peut entraîner le système. Dans le cas de Google, c'est aussi, on doit faire attention parce que le PDG de Google, il y a 5 ans, 6 ans, il a annoncé, bon, quand Google va commencer à faire la recherche dans le cancer, ça va être fait dans 2 ans. On doit faire attention que c'est une recherche assez compliquée, avec un contact avec l'humain. On doit comprendre, dans mon équipe, par exemple, quand on a des projets d'analyse de données, on a toujours un référent médical. Parce qu'on a besoin exactement de savoir quelle est la sorte d'interprétation que les professionnels font, quelle sorte de d'analyse ils sont habitués, parce que si on change tout, le temps est limité pour les médecins. Alors, on doit les accompagner. Alors, je ferai attention. Je ne dis pas que non, mais on doit faire attention, on doit lire, on doit voir si c'est vraiment validé dans la littérature scientifique ou si c'est seulement des annonces dans les réseaux sociaux. D'accord, très bien. Une question de Denis qui nous demande si, alors il nous dit, si je comprends bien, les datas sont produites de manière exponentielle, est-ce qu'on va avoir un problème de stockage à un moment donné? À un moment donné, quel est l'impact écologique de l'intelligence artificielle en médecine? Il vient de lire que le web était la 6e source de consommation d'électricité au niveau mondial. Est-ce que c'est des questions que vous vous posez aussi? Bien sûr, ça c'est, on doit, à la fin des jours, on a un budget et on doit payer pour l'électricité, le serveur, on doit tenir tout en compte. Mais aussi, on peut même réfléchir sur l'impact écologique de chaque fois que l'on tape recherche Google, quel est le coût, et ça a été calculé. Le coût c'est 0,0003 kilowatts par heure. Et le coût en France par kilowatt c'est
de 14 centimes. Si on multiplie, je crois qu'il y a 300 millions de requêtes par jour, on peut voir quel est le coût du data center, du centre serveur. Oui, du serveur qui est... Du serveur à Google. Alors, bien sûr qu'il y a des coûts, mais quand on parle du web, la sixième source, je suis sûr qu'on inclut là les coûts de Bitcoin. Et Bitcoin est assez lourde. Il y a une consommation d'électricité sans aucun gain pour l'humanité. Oui, c'est le serveur qui génère les bitcoins qui est... Oui, d'accord. Et alors, si on se pose la question, on pourrait dire aussi les coûts d'une session de radiothérapie, c'est aussi assez lourd. Oui. Bien sûr qu'on prend en compte ce sort d'approche. Mais est-ce que du coup, à l'Institut Curie, vous avez aussi une politique pour essayer de réduire ces coûts énergétiques dans la recherche pour l'intelligence artificielle? Non tel que ça, mais on bien sûr qu'on est en train de renouveler le serveur, nos ordinateurs, oui. Et quand on achète de nouveaux serveurs, ils sont plus écologiques, sont plus compacts, et les coûts de... Ce n'est pas seulement les coûts de l'électricité pour alimenter le serveur, mais c'est aussi l'air conditionné, parce qu'on a besoin... Alors, quand on renouvelle les infrastructures, on est en train de réduire des coûts. Alors, c'est ça, oui. D'accord. On est dans cette sorte de démarche. Janine pose la question suivante. Est-ce que l'intelligence artificielle permet ou permettra un jour de savoir si un cancer peut récidiver? Aujourd'hui, on est en train, quand je parle que les approches d'IA nous permet de mieux stratifier, c'est dans cette sorte de cas. Si on peut trouver, on est en train de développer des outils pour trouver des patients similaires. Avec, comme je disais, le portrait moléculaire du cancer nous permet vraiment de cibler quel est le traitement pour un cancer. Et on peut voir, et on sait, dans quelques cas, en particulier dans les cancers des poumons, on a des traitements très, très ciblés pour une mutation spécifique. Et on sait qu'après une année ou quelques mois de traitement, on aura... une relapse, une rechute, mais on a un nouveau traitement pour traiter cette approche. Ça se passe dans les cancers du poumon parce que c'est le cancer qui affecte plus de gens. Et alors c'est pour ça que on a mis plein de financement pour la recherche. On est en train de répliquer cette autre approche pour des autres cancers. Et si on est au niveau moléculaire et on peut vraiment caractériser les mutations, on peut prédire. C'est là où on est en train de travailler. D'accord. Une question de Gabriel. Vous avez évoqué tout à l'heure une société israélienne qui faisait des promesses. Il demande de quelle société on parle. IBM. IBM, d'accord. C'est une société américaine, mais on travaille avec l'équipe IBM à Haïfa, en Israël. Pas avec IBM en Europe, ils sont à la Suisse, aux États-Unis. On travaille directement avec l'équipe de recherche à Israël, à Haïfa. D'accord. Une question de Virginie qui demande est-ce qu'on peut envisager une intelligence artificielle dans l'accompagnement patient-soignant, patient-expert et patient-ressource? En gros, comment est-ce qu'on pourrait lier les données informatiques et l'humain via l'intelligence artificielle? On a déjà des projets pour des chatbots. On a des projets où on a des gens, en particulier dans les... pas en cancérologie, mais plutôt dans des gens avec des problèmes de dépression, qu'ils ont une ligne en chat où ils peuvent se communiquer. Et il y a des systèmes qui vont répondre. Aujourd'hui, quand on est en train de se communiquer avec les assureurs, la plupart, 90% du temps, on est en train de se communiquer avec un chatbot. Mm-hmm. Ce n'est pas une personne derrière. D'accord. On a cette sorte d'approche pour les gens qui ont besoin d'un suivi, dans les cas de dépression ou... dans les cas du cancer, c'est un peu plus compliqué parce que on pourrait avoir une approche similaire dans les cas de quelqu'un qui veut se communiquer à l'hôpital, mais on a besoin d'être capable de répondre. Si on a, par exemple, dans les cas de Marie Curie, si on pose des questions autour de ces effets secondaires, on peut pas, on doit se communiquer. S'il y a un problème, on doit contacter les patients et agir. Alors, c'est ça que c'est un peu compliqué. Et même dans les pays nordiques, la Suède, par exemple, où on a
de la médecine, la télémédecine est assez bien établie, on a toujours besoin du touche humaine. Alors même quand on a souhaite que quelquefois il y a des gens qui sont au nord pour avoir accès à un médecin, ils sont une infirmière avec eux, parce qu'on a toujours, même si on n'a pas accès au médecin directement, on a besoin d'avoir un accès humain. Alors je ne crois pas que on va tout substituer avec le numérique. On a besoin, en santé, on a besoin de contact humain. Oui, la relation avec entre le patient et le médecin ne peut pas être complètement remplacée par un chatbot. Je crois qu'on est arrivé à la dernière question de ce live. Merci beaucoup, José Fernandez, d'avoir pris le temps de répondre aux questions des internautes. Je rappelle que vous dirigez que vous êtes à la tête de la direction des data qui a été créée en 2017 à l'Institut Curie. Le live sera disponible sur la page Facebook de l'Institut Curie si vous l'avez pris en cours ou si vous souhaitez le revoir. Et puis, vous pouvez aussi continuer à poser vos questions en commentaire. Merci et à bientôt. Merci, José Fernandez. Merci, Camille.